de la terreur qui règne aux 20h. Télévision qui façonne ses modèles. Propagande, TF1, Goebbels des temps modernes. Tant les Français ont droit de savoir sur la 6, leur cité des zones interdites. Où s'y baladent des Rottweiler ou pire. Des pits le plus sanglant était mon Yorkshire. Yeah. Si on remet pas en cause tout ce qui est écrit ou dit, plus rien de crédible. Tu veux garder ton boulot, donc gare à la Gardère. Au conflit d'intérêts qui règne, au groupe qui tire les rênes. Et tire un trait sur ton texte avant qu'il ne déplaise. Et que tu ne disparaisses, nous de quoi habite. Dictature financière et liberté de la presse. Et vu que la masse dort, pour l'image on lui colle une mascotte et des spots de pub. Pour des spots et politiques en manque de code auprès de sa jeunesse. Tout on apprend les modes et on s'entoure de pop stars, de R&B, de connes, de connasses qui en connaissent les codes. Tant il est clair qu'on est nul à l'école et qu'on nous voit rappeurs, footballeurs à la Starac ou que sais-je. Fils de prolétaire, bon qu'à faire le singe ou qu'à gratter des aides. Yeah. Les médias mentent, la lucarne brille comme un diamant. Cancérise ton esprit comme de l'amiante. Reportage bidon, en période d'élection. Effet d'annonce, collusion, manipulation d'opinion. Les médias mentent, contrôlés de façon consciente. Le diable te sourit à 20h pétante. Manipulation d'opinion, effet d'annonce, sondage, collusion et pognon. Bidon sont tes reportages. Ce qui me vient à l'esprit dans les médias. Rêve d'autonomie, d'indépendance dans les médias. Fini les mensonges, la désinformation perpétuelle. La manipulation gérée de façon conceptuelle. Tous d'accord pour dire que les journaux mentent, que la censure est vicieuse. La vérité sur la mauvaise pente. L'objectivité devient venimeuse. Autocensure pernicieuse. Décret appliqué de façon automatique. Journaliste complice du pouvoir économique. Danger et risque géré. Porte fermée, porte-voix serrée. Puisque c'est incompétent à la parole, pour la masse il est crédible. Pour mon esprit aiguisé à la Bourdieu, il est risible. C'est le comble du lèche-cul qui devient roi. Qui se croit intelligent, te toise et te dit tais-toi. Intérêt et collusion. Esprit lobotomisé, choc frontal, bref collision. Tout est clinquant mais plus l'hypocrisie. Derrière les sourires de façade se cache l'arrogance de la bourgeoisie. Pencu soutenu par leur putain d'agent. En guerre contre le parti de la presse et de l'argent. Les médias mentent, la lucarne brille comme un diamant. Cancérise ton esprit comme de l'amiante. Reportage bidon, en période d'élection. Effet d'annonce, collusion, manipulation d'opinion. Les médias mentent, contrôlés de façon consciente. Le diable te sourit à 20h pétante. Manipulation d'opinion, effet d'annonce, sondage, collusion et pognon. Bidon sont tes reportages. Aujourd'hui, les médias sont détenus par des groupes industriels très importants sur le plan du chiffre d'affaires. Ce sont des groupes qui comptent parmi les grandes entreprises françaises. C'est Dassault, c'est Lagardère, c'est Bouygues. Et pour vous donner un ordre d'idée, à la fin de l'année 2000, la capitalisation boursière cumulée de TF1, de M6 et de Canal+, était plus importante que l'ensemble du secteur automobile français. Ce qui signifie que les médias ne sont plus seulement les relais idéologiques de la mondialisation libérale, ils en sont aussi les acteurs. Ils pèsent dans l'économie.